أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, les bienfaits cachés et visibles. Parmi ces bienfaits d'Allah, il y a le souffle de vie. Le souffle de vie que Allah nous a donné, c'est un cadeau d'Allah. Donc il faut en profiter pleinement. Et la meilleure manière de profiter de la grâce d'Allah, la meilleure manière de profiter du souffle de vie qu'Allah nous donne, c'est de l'adorer. Parce que c'est à cause de ça même qu'Allah nous a créé. Parce qu'il dit, Allah dit qu'il n'a pas créé les hommes et les génies que pour son adoration. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Nous demandons qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers très chers frères, nous avons commencé ce livre de la jurisprudence al-Akhdari depuis le début, l'addition, la petite, la grande, l'alternative des les deux ablutions. Nous avons parlé de la menstruation, de la logie. Nous avons parlé des piliers de la prière, c'est-à-dire les actes obligatoires, les actes surrogatoires, les actes méritoires, beaucoup de sujets comme ça. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons commencer le dernier chapitre de ce livre. C'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre est intitulé Babun fi sahwi, chapitre de l'oubli. L'oubli dans quoi? As-sahwu fi sola, l'oubli dans la prière. Et la première question même qui doit nous passer l'esprit, est-ce que le musulman même doit oublier dans sa prière? C'est la première question. Est-ce que le musulman peut oublier pendant la prière? Est-ce qu'il doit oublier pendant la prière? Oui? Bien. Le musulman peut oublier. Et pourquoi il peut oublier? Parce que l'oubli, c'est l'humain. C'est aussi simple que ça. Allah nous a créés étant humain, on oublie. C'est pourquoi un verset très important, très capital dans le Coran, dans la fête de Sourate Al-Baqara, Allah lui-même va nous dire, et dans une formule de doigt, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ô Allah, ne t'apprends pas en nous lorsque nous avons oublié ou nous avons commis des erreurs. Et dans le sens de commentaire de ce verset, le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Rufiya an ummati thalas. Allah a pardonné pour ma communauté trois choses. Al-khata'u, l'erreur, wa nisyan, l'oubli, wa mastukrihu alayhi. Et tous ceux qu'on les a contraints de faire. Toi, tu ne veux pas faire, mais voici une arme qui est pointée sur toi. On dit, si tu ne fais pas, on va te tuer. Donc, tu es dans un cas de contrainte. Lorsque tu fais, Allah a pardonné. Allah va pardonner cela. Donc, le musulman peut oublier pendant la prière. Mais il y a un autre verset qui fait peur. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Ma'un, Fawailul lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahoun. Celui qui ne comprend pas, il va dire que Allah dit ceux qui oublient dans la prière, que malheur à eux. Est-ce que c'est ça la vraie traduction? Est-ce que ça, c'est ça le vrai sens du verset? Non.
alladhina hum an salatihim, il n'a pas dit alladhina hum fi salatihim sahun. Si Allah avait dit ceux qui pendant la prière oublient, Allah, nous étions tous condamnés. Et c'est ce que les compagnons même ont dit au prophète Mohammed. Ah, alhamdulillah, Dieu n'a pas dit alladhina hum fi salatihim sahun, ceux qui oublient dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui oublient même la prière. C'est-à-dire qu'ils négligent la prière, c'est-à-dire qu'ils délaissent la prière. Or, pourtant, dans le Coran, Allah a toujours fait les éloges des croyants, des pieux, en disant que alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui, pendant la prière, ils craignent Allah, ils sont modestes, ils se rabaissent. Alladhina hum ala salatihim yuhafidhun, ceux qui sont assidus dans la pratique de la prière. Alladhina hum fi salatihim da'imun, ceux qui font régulièrement la prière. Donc, il faut faire la différence entre deux choses. Oublier la prière en ne la pratiquant pas, et oublier dans la prière en laissant quelques actes de la prière. Et comme Eladj vient de nous dire, et c'est vrai, l'homme est appelé à oublier. Regardez notre père Adam. Allah dit que j'ai donné l'ordre à Adam de faire telle et telle chose, fanasi. Il a oublié. Donc depuis notre père Adam, lui-même il a oublié. C'est un ordre d'Allah qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et peut-être que quelqu'un parmi nous peut se frustrer. Ah, moi, chaque fois que je prie, j'oublie. On dit que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ça l'est arrivé d'oublier. Un hadith rapporté authentique aussi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du Zuhr. Il a fait deux rakats. Il s'est assis, il a fait tayyar. Il a fait salam, il a quitté la mosquée. Il allait s'asseoir dehors. Les compagnons ont commencé à se regarder. Aïe. Aujourd'hui, il y a quoi? Habituellement, on fait la prière du Zuhr 4 rakats. Mais pourquoi le prophète a fait aujourd'hui 2 rakats? Est-ce qu'il faut aller demander au prophète? Abouakaï avait peur. Omar, Othman, Ali, tout cela, ils avaient peur du prophète. C'est-à-dire, le respect, la peur du respect. Il y avait un type appelé Zulyadeh, l'homme des mains, littéralement parlant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il avait des bras longs, physiquement, réellement aussi. Il avait des bras longs. Donc c'est celui-là qui a pris ce courage en deux mains, il allait voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec politesse et dit le prophète, est-ce que Allah aujourd'hui nous a fait faveur, il a diminué des rakats ou bien tu as oublié? Le prophète dit, Allah n'a pas fait de faveur, je n'ai pas oublié aussi. Oui, ça va. Allah n'a pas fait de faveur, je n'ai pas oublié. Il y a un dit que tu as fait deux rakats. Le prophète demande à Abou Bakar et Ousmane, maintenant qui ont eu le courage de venir vers le prophète, est-ce que ce que Zulyadin dit là c'est vrai? Est-ce que j'ai fait la prière du jour aujourd'hui, deux rakats? Ils disent oui, c'est vrai le prophète. Il dit alors venez dans la mosquée. Ils sont entrés tous avec le prophète dans la mosquée. Regardez, hein? Il avait quitté la mosquée, il était assis. Ils sont tous rentrés. Le prophète a fait les deux rakats restants et il a réparé. Hein? Bon, c'est ce qu'on va expliquer. Donc le prophète a oublié un, il a réparé deux. Donc notre chapitre d'aujourd'hui, c'est l'oubli dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons montré que l'oubli est normal, c'est humain. On va oublier dans la prière. Le prophète lui-même, il a oublié. Ce qui n'est pas bon, c'est d'oublier la prière elle-même. Et dans le sens de négligence. Donc, lorsqu'on oublie dans la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut aller d'abord, il y a combien de types d'oubli dans la prière? Il y a combien de façons d'oublier dans la prière? Quand on dit oublier dans la prière, c'est d'oublier quelques actes de la prière. Mais il y a quatre types d'oubli dans la prière.
un, en nuxon, tu oublies en diminuant quelque chose de la prière. Deux, aziyada, oublier en ajoutant quelque chose dans la prière. Trois, aziyada tu en nuxon ma'an. Dans la même prière là, tellement que l'esprit était loin, tu as diminué et puis tu as ajouté encore. Peut-être dans la première rakat tu as diminué, la troisième rakat tu as ajouté. Quatre, à chaque coup, le doute, tu es en train de te demander, est-ce que c'est deux rakats que j'ai fait ou bien c'est trois rakats? Est-ce que je fais un sujoud ou bien deux sujoud? Donc voici les quatre types d'oubli qui peuvent arriver à l'homme pendant la prière. Et comment il faut se comporter face à un oubli dans la prière? D'abord, il y a des leçons que nous avons faites qui sont tellement importantes qu'on a besoin de ces leçons ici. Lorsqu'on a oublié quelque chose dans la prière, Alhamdulillah, Allah nous a facilité et nous a donné ce qu'on appelle la réparation. On va réparer l'oubli. C'est pourquoi dans le hadith que nous avons cité, dans le hadith que le prophète a oublié deux rakats de zour, quand il est rentré, il a fait les deux rakats, il a réparé. Comment? C'est ce qu'on va expliquer. Mais avant de pouvoir réparer l'oubli, il y a des leçons passées, il faut toujours se rappeler de ces leçons, il faut connaître toujours ces leçons. Est-ce que l'acte que j'ai oublié là, c'est un acte obligatoire, c'est un acte surrogatoire ou c'est un acte méritoire? Tant que tu ne connais pas ça, tu ne pourras pas réparer. Il y a des gens qui pensent que quand on dit que tu as oublié, non, c'est fini, il faut réparer. Non. Ce n'est pas tous les oublis, on répare comme ça. Il y a des oublis, pour réparer, il faut d'abord faire ce que tu as oublié. Il y a des oublis, ce que tu as oublié, tu ne répares pas. Tu répares seulement. Il y a des oublis, pendant la prière, si tu répares, même ta prière est gâtée. Tu ne dois même pas réparer, tu dois laisser comme ça. Et si toi tu ne connais pas, tu vas oublier un acte dans la prière, comme tu vois les imams, ils réparent, toi aussi tu y répares. Tu ne sais pas que ce que tu as oublié là, lui on ne le répare pas comme ça. Il faut obligatoirement refaire ce que tu as laissé avant de réparer. Il y a quelqu'un, il voit aussi l'imam a une fois réparé, lui chaque jour c'est la même chose qu'il fait. Non. Donc il faut se rappeler toujours des actes de la prière. Et il y a trois types d'actes de la prière. Al-Fara'id, les actes obligatoires. Al-Sunan, les actes surrogatoires. Al-Fada'il ou Al-Mustahabat, les actes méritoires. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on répare un oubli dans la prière? Quand on dit réparer, c'est une chose que tu fais et c'est considéré comme une réparation. Quelle est cette chose-là? C'est deux sujouds. Quand tu as oublié dans la prière, pour réparer l'oubli, il faut faire deux sujouds. Mais comment on fait les sujouds? Il y a des choses, il y a des oublis quand ça t'atteint, parce que nous avons cité quatre genres d'oubli. Tu as ajouté, tu as diminué, tu as fait les deux. Tu as oublié, en même temps tu as ajouté et tu doutes. N'est-ce pas? Donc, il y a des oublis quand tu fais dans la prière, tu dois faire deux sujouds, mais où? Avant de faire le salam. Il y a des oublis quand tu fais, tu dois réparer avec des sujouds, mais quand? Après le salam. Et si toi tu ne connais pas la différence, comme tu as vu l'imam, il a fait un jour, il a fait deux rakats, au lieu de s'asseoir, il a oublié, il s'est levé. À la fin, il a fait qabla salam, deux sujouds avant de faire le salam. Toi, chaque jour, quand toi tu oublies, c'est deux sujouds avant le salam. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut connaître. Donc, on répare l'oubli par deux prosternations, deux sujouds. Si on a ajouté, on fait deux sujouds après, si on a ajouté, après le salam. Si on a diminué, on fait deux sujouds avant le salam. L'autre question, la réparation elle-même, quelle est la position de l'islam vis-à-vis de la réparation elle-même ?
Parce que tout ce que tu fais en islam, comme l'auteur même, Cheikh Al-Akhdari a dit au début du livre, « وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ » Le musulman, avant de poser un acte, il doit connaître d'abord la position d'Allah, c'est-à-dire la position de l'islam, vis-à-vis de cet acte. Et il y a cinq positions en islam. Soit c'est wajib, obligatoire, soit c'est mandoub, méritoire, demandé, mais pas d'une manière obligatoire. Soit makruh, c'est-à-dire c'est prohibé, c'est déconseillé. Soit haram, c'est interdit. Et soit mubah, c'est permis, sans parler de mérite ou péché. Donc, les deux sujets qu'on fait pour réparer l'oubli dans la prière, quelle est sa position? Quel est son jugement dans l'islam? Et c'est de là l'auteur du livre va commencer ce chapitre-là. Wa sujudu sahwi, la prosternation de l'oubli, c'est-à-dire la prosternation pour réparer l'oubli, sunnatun. Wa sujudu sahwi fi sola, la prosternation pour réparer l'oubli dans la prière, sunnatun, c'est considéré comme un acte surérogatoire. Sujud sahwi laysa wajiban. Réparer l'oubli, ce n'est pas obligatoire. Mais dans quel sens? Nous avons beaucoup répété ça ici. Les termes ont des sens bien fixés, bien déterminés. Quand on dit c'est sunna, ce n'est pas wajib, c'est un acte surérogatoire, ce n'est pas un acte obligatoire. Ça ne veut pas dire que tu as le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Non. Ce qui revient à dire qu'il y a deux types de sunnah, deux types d'actes surrogatoires. Il y a des sunnahs dont tu as le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Tel que après la prière de Maghrib, faire nafila, c'est sunnah. Tel que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le fait de jeûner un jour, c'est sunnah. Mais tu as le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais pendant l'ablution, ce qu'on appelle sunna là, tu n'as pas le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Pendant la prière, ce qu'on appelle sunna, tu n'as pas le choix. Si tu veux, tu fais. Si... Non. Mais pourquoi est-ce qu'on appelait sunna? Pourquoi est-ce qu'on appelait acte surrogatoire? C'est pour faire la différence entre l'autre acte. Quand tu oublies, ta prière est annulée. On parle de l'oubli. Calme dans la bonne compréhension. Donc, la prosternation de l'oubli, ou bien la prosternation pour réparer l'oubli dans la prière, sunnatun, c'est une sunna. On a dit quelque chose que je cite, on va revenir dessus. Comme dans la prière, il y a des actes obligatoires. Tels que, qui va nous citer, qui va nous donner un exemple de l'acte obligatoire dans la prière? Quel nom? Le premier takbir, Allahu Akbar. Donc quelqu'un il vient comme ça, il a fait Al-Iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah jusqu'à la fin. Et tout à coup il commence Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Après il se rappelle qu'il n'a pas fait le premier takbir. Est-ce qu'il va continuer? Et puis maintenant à la fin, il va faire deux sujets pour réparer? Non, non, non. Quelqu'un qui n'a pas fait le premier takbir, est-ce que d'abord même il a commencé la prière même? Il n'a même pas commencé la prière. Même s'il a fait tout jusqu'à Assalamu alaikum, en ce moment, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le premier takbir. Il va reprendre. Il n'a rien fait. Non. Hein? Oui. Bon, on va. Hein? Oui. C'est le doute, non? On va venir. Actuellement, nous sommes sûrs. Quelqu'un qui a diminué un acte, mais c'est un acte obligatoire, tel que le premier takbir. Il n'y a pas à faire de réparation ici. Il faut reprendre la prière avec le takbir de l'Ihram. Un autre acte obligatoire, la Fatiha. Quelqu'un, il a fait Allahu Akbar, il a commencé Kul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad, Kufuan Ahad. Il dit Allahu Akbar, pendant qu'il est dans le ruku, il s'est rappelé, il n'a pas lu la Fatiha. Est-ce qu'il faut continuer la prière comme ça, arriver à la fin
il va faire deux prosternations pour réparer. Non, 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 non. Tout ce qui est considéré comme acte obligatoire dans la prière, le deux sujouds ne peut pas réparer. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut revenir sur l'acte oublié. Par exemple, j'ai oublié le premier takbir. Je suis dans la deuxième rakat. Je me suis rappelé que je n'ai pas fait le premier takbir. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le premier takbir pour commencer la prière. Parce que tout ce que tu as fait là, tu n'étais pas dans la prière. Ça, c'est le premier takbir. Un autre exemple, de, par exemple, la Fatiha. Quand il a fait Allahu Akbar, il a le qul huwallah, il a fait Allahu Akbar, il est dans le ruku. Il s'est rappelé qu'il n'a pas lu la Fatiha, il se lève automatiquement. Il s'arrête. Là, il ne fait pas le premier takbir, il est déjà dans la prière. Il est déjà dans la prière, c'est la Fatiha, il a oublié. Donc, il se lève du ruku, il s'arrête, il lit la Fatiha, il reprend la sourate, il va maintenant dans le ruku. Hein? Pardon? Ça va marcher, oui? Ou bien, je prends un autre exemple de ruku. Allahu Akbar. Tout est bon, hein? Fatiha, Qulhu Allah. Au lieu de faire ruku, il est dans sujoud. N'est-ce pas? Il est dans sujoud, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait de ruku. Est-ce qu'on va dire qu'il va continuer et puis il va réparer avec les deux prosternations? Non, non, non. Les deux prosternations, c'est sunnah. Ce que tu as oublié, ruku, là, c'est wajib, c'est acte obligatoire, ça ne peut pas prendre sa place. Il faut se lever. Tu t'arrêtes, tu reprends la Fatiha. Tu reprends la sourate, tu vas maintenant dans la ruku. C'est comme ça en fait. Maintenant, le fait que tu étais allé déjà dans ce sujoud, tu t'es rappelé que tu n'as pas lu et que tu n'as pas fait le ruku. Pourtant, tu avais déjà fait la Fatiha. Quand tu reprends, ce que tu as oublié, tu as refait, non? Qu'est-ce qui manque encore? C'est ruku seulement que tu avais oublié. Tu es dans ce sujoud. Tu t'es levé, tu as repris la Fatiha, tu as fait la sourate. Le ruku que tu as oublié, tu as fait. Qu'est-ce qui a diminué maintenant dans la prière? Rien, tout ce a pris sa place. Maintenant, comme le fait que tu as lu la Fatiha, ça s'est ajouté. C'est ce que tu vas réparer maintenant avec deux sujoud ba'da salam. Nam ziyada. C'est compris? Quand tu oublies un acte obligatoire, tu dois reprendre. Mais quand tu reprends, il y a eu des ajouts forcément. C'est ce que tu vas réparer avec les deux sujoud. Et puis, il y a un autre sens dans les deux sujoud de prosternation. Pourquoi est-ce qu'on répare l'oubli avec deux sujoud? Pourquoi Allah a choisi deux sujoud? Parce que le sujoud est très très important. Le sujoud a le sens de dévotion, de rabaissement. Tu te rabaisses devant Allah. Wallah, Allah. Moi, je suis une créature. Je suis une créature. Je suis ton serviteur. C'est pourquoi l'oubli que j'ai fait là, je mets le front en bas pour montrer que je suis petit devant Allah. C'est Allah seul qui ne oublie pas. Inna Rabbi la yadullu wa la yansa. Mon Seigneur ne s'égare pas, il n'oublie pas. Un. Deuxièmement, qu'est-ce que Allah a demandé à Iblis de faire et puis il a refusé, il est devenu Iblis. Ah, sujoud. Iblis a refusé de faire sujoud, c'est pourquoi il est devenu Iblis, non? Bien. On dit de faire sujoud devant qui? Adam, il a refusé. Qui est-ce que nous fait oublier? Dieu? Non. Wa ma ansanihu illa shaytan. Dans surat Al-Kahf, lorsque Moïse et son élève, ils partaient chercher l'autre serviteur saint d'Allah, ils ont oublié le poisson. Le petit a dit à Moussa, wa ma ansanihu illa shaytan. C'est shaytan qui m'a fait oublier. Et il ne faut pas attribuer ces genres de choses à Allah. Il faut attribuer aux démons, à soi-même. Pourtant, dans la base, tout revient à Allah. Mais c'est une attitude de politesse devant Allah. Regardez même notre père Ibrahim dans le Coran. Il a dit tout, mais quand il est arrivé à la maladie, il n'a pas dit « Wa ida amradani Allahu fahuwa yashfin. » Si Allah me rend malade, c'est lui qui me donne la guérison. Non. Il dit « Wa ida maritu. »
quand je tombe malade, c'est une manière de respecter, d'honorer Dieu, de se montrer poli devant Allah. Donc l'oubli, c'est Shaitan qui nous fait oublier. N'est-ce pas? Donc tu m'as fait oublier, non? Qu'est-ce qu'il n'aime pas, Iblis? Sujoud, non? C'est ça qu'on va prendre pour réparer l'oubli là. Pour le faire plus mal. Oui? Oui. 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 Non. La question du frère, quelqu'un il a oublié, il a fait la fatia déjà. Il a fait la sourate, c'est bon. Il a sauté seulement recours pour aller dans ce sujoud. Mais quand il revient, moi j'ai dit qu'il doit reprendre la sourate et la. Pourquoi? Parce que quand tu quittes le sujoud, tu ne vas pas te quitter et puis venir faire le recours. Non, tu dois t'arrêter d'abord. Parce que habituellement, quand on fait recours, c'est à partir d'une situation debout qu'on part en recours, non? Tu dois respecter ça. Et comme tu dois respecter le fait d'être debout avant d'aller dans recours, il faut lire une sourate pour ajouter. Tu as compris maintenant? C'est ce que nos savants nous ont dit. Dans la logique, tu dois t'élever pour venir. Mais non, on part d'un debout pour aller dans recours. Il faut respecter ça. Deuxièmement, comment tu vas te lever comme ça et puis tu vas partir? Non, il faut lire un peu. Il faut lire la sourate, il faut lire la fatia. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. C'est comme c'est la tradition, il faut respecter. Dans la tradition, on quitte de la position debout pour aller dans le recours. Or, pourtant, dans cette position-là, on lit d'abord avant d'aller dans le recours. Donc, c'est ce qu'on doit respecter. C'est bon? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand j'oublie un acte obligatoire, il n'y a pas à faire de réparer avec deux sujets. Non, non, non. Tu dois revenir forcément sur l'acte obligatoire. Arrivé devant, on va expliquer d'autres cas encore. Parce qu'il y a des moments, quand tu oublies, tu ne peux plus retourner. Tu dois continuer, mais la rakat est annulée. Pas la prière, mais la rakat. Arrivé au moment opportun, on va expliquer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, « Wa sujudu sahwi fi sala sunna fali nuqsani sajidatani qabla salam » Lorsqu'on diminue quelque chose de la prière, il faut faire deux sujud pour réparer. À l'exception de acte obligatoire. Là, il faut reprendre l'acte. Maintenant, le deuxième groupe des actes de la prière, c'est l'acte surrogatoire. Qui va nous donner l'exemple de l'acte surrogatoire dans la prière? Nam? Après la fatiha. La sourate après la fatiha. C'est un acte surrogatoire. Donc, quelqu'un qui oublie la sourate, par exemple, il est dans la prière des Maghrib, il a fait Allahu Akbar. Il a fait la fatiha. Après la fatiha, quand il dit Allahu Akbar, il allait automatiquement dans le recours. Il s'est rappelé. Il n'a pas lu la sourate. Il a lu la fatiha, bien sûr, mais pas la sourate. La sourate, à quelle position dans la prière? C'est un acte surrogatoire. Bien. Maintenant, lui, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit se retourner? Non. Pourquoi? Il y a un principe qu'on a déjà expliqué. Quelle est la position de recours? Quelle est la place de recours dans la prière? C'est quel genre d'acte obligatoire? On ne laisse jamais un acte obligatoire à cause d'un acte surrogatoire. Quand tu as déjà entamé le recours, tu es déjà dans le recours qui est un acte obligatoire, on ne le laisse pas pour l'acte surrogatoire qui est la sourate. Donc, forcément, on va continuer la prière comme ça et la place de sourate là va rester vide. Mais on continue la prière. Normalement, arrivé maintenant dans la dernière tahiyya, on va faire la tahiyya, on va faire la sourate Ibrahimiyya, on va faire l'homme maïni aoudou kam nazab jahannam. Comme c'est un manque, hein, on fait les deux prosternations pour réparer avant de faire salam. Donc, fali nuksoni sajidatani, on fait deux prosternations pour réparer le manquement. Si ce n'est pas un acte obligatoire, bien sûr. Et les deux prosternations, quand est-ce qu'on fait? Qabla salam. Avant de faire le salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Ba'da tamami tashahhudain. Après avoir bien récité les deux tahiyyah, c'est-à-dire, pour qu'elle ait deux, la tahiyyah du milieu et de la fin, tout a eu sa place. Donc, Yazidu ba'da huma tashahhudan akhar. Il va faire un autre tashahhud tahiyyatullah.
dans ta prière là, tu vas te retrouver avec combien de, tu vas te retrouver avec combien de tahia? 3. C'est une prière de Maghrib que tu es en train de faire. Quand tu as fait 2, tu t'es assis, tu as fait la tahia. L'autre rakat, tu as fait la tahia. Comme tu avais oublié la sourate dans la première rakat, tu vas faire 2 prosternations, tu vas t'asseoir, tu vas faire la tahia, ça fait 3 tahia. Et tu fais le salam. Et si on remarque très bien, la dernière assise là, c'est comme si on avait fait 4 sujoud. N'est-ce pas? Parce que dans la dernière rakat, quand tu vas faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu t'assois, Allahu Akbar sujoud, Allahu Akbar, tu t'assois, tu fais la tahia. Ça fait 2 sujoud, non? Comme tu as oublié la sourate dans la première rakat, avant de faire salam, tu vas faire Allahu Akbar, tu t'assois, Allahu Akbar, tu t'assois, donc 4 sujoud. Ça, là, ça doit amener le musulman à s'habituer que lorsque parfois la prière est mélangée, il y a des choses qui vont s'ajouter. Tu vois, certains m'ont demandé, mais pourquoi quand je viens trouver imam dans la dernière rakat de Maghrib, j'ai fait taïa, non? Je dois rembourser. Quand je vais me lever, je vais, moi, ma deuxième rakat, je vais m'asseoir. Je vais faire taïa. Je vais faire la troisième rakat, je vais m'asseoir, je vais faire taïa. Donc, 3 assises, 3 tahia. Pourquoi? On dit, mon frère, quand c'est mélangé, souvent c'est, ça là, ça résulte. Chez nous, on dit, quand l'année est mélangée, est-ce qu'on peut parler maintenant de mois ou des jours? L'année est déjà mélangée. Est-ce qu'on peut... Non. On cherche même plus à savoir, est-ce que y a, c'est quel jour, c'est quel mois? Parce que l'année même, lui-même est déjà mélangée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. On a parlé tout de suite de l'oubli lorsque c'est un acte surrogatoire. Et si c'est un acte méritoire? Qui va nous donner l'exemple d'un acte méritoire dans la prière? Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas surrogatoire, ce n'est pas sunnah, mais c'est mustahab, un acte méritoire. Je veux un exemple. Aïe, il n'y en a pas. Le Subhan Rabbi al-Azim, par exemple, dans les recours. Quand tu fais Allahu Akbar, Subhan Rabbi al-Azim, alhamdulillah, Subhan Rabbi al-Azim. Le Subhan Rabbi al-Azim, c'est un mustahab. N'est-ce pas? La doigt de l'ouverture de la prière, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddika wa la ilaha ghayruk. C'est un mustahab de la prière. Donc quand je viens à oublier, par exemple, un mustahab de la prière, la doua de la fin, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masihi dajjal. J'ai oublié cette doua. Ou bien j'ai oublié Subhan rabbi al-a'la dans la prosternation. Ou bien entre les deux sujoud, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. J'ai oublié. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le nombre. Lorsque c'est, j'ai oublié les 3 même. Subhan rabbi al-azim wa bihamdi. Subhan rabbi al-azim wa bihamdi. Subhan rabbi, les 3 j'ai oublié. Comment est-ce que je n'aurai pas 2 sujoud? Non. Il faut connaître d'abord, c'est pourquoi je dis depuis le début, est-ce que c'est un acte obligatoire? Est-ce que c'est un acte surrogatoire? Est-ce que c'est un acte méritoire, mustahab? Quand c'est mustahab, lâchez, on ne répare même pas même. Si tu as en tête à réparer ta prière gâtée, je prends l'exemple. Je suis en train de faire la prière de Isha. La première rakat, Allahu Akbar, c'est bon. Fatiha, c'est bon. Surat, c'est bon. Allahu Akbar, j'ai fait recours, mais j'ai commencé à penser à la maison. Je n'ai pas récité ce qu'on dit dans le recours. J'ai fait le recours, mais c'est ce qu'on dit là que je n'ai pas dit. Quand j'ai fait Sami Allah, il m'a dit, j'ai pas dit Subhan Rabbi al-Azim. Il n'y a pas de problème. Arrivé à la fin, je vais réparer. Quand tu es arrivé à la fin, tu as fait 2 sujoud pour réparer ta prière gâtée. Pourquoi? Parce que tu as réparé. Donc, on ne répare pas, oui, on ne répare pas. Quand tu as oublié le mustahab, c'est bon. Dieu même te pardonne. On ne répare pas. Il y a quel type, combien de types d'actes dans la prière? 3. Les actes obligatoires, les actes surrogatoires, les actes méritoires. L'acte obligatoire, quand tu l'oublies, on ne répare pas seulement, on revient sur l'acte oublié. La réparation ne peut pas prendre sa place.
Lorsqu'on oublie l'acte surrogatoire, c'est bon, on continue, mais on répare. La réparation prend sa place. Quand on oublie un acte méritoire, on ne répare pas. On laisse comme ça. Dieu va nous pardonner. Non. Oui, vous savez encore. Oui. 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 Mais qu'est-ce que vous avez? Oui. Ah, ok. Bon, vraiment, les trois types d'actes, n'est-ce pas, de la prière, c'est d'un homme. Le premier groupe, les actes obligatoires, c'est 14. Et nous avons cité. Bon. Pour revenir dessus, ça va prendre trop longtemps. Et il y a les vidéos sont là, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les leçons passées. Hein? Bon, sur YouTube, vous écrivez Yelbi, Y-E-L-B-I, Tahir, T-O-H-I-R. Vous allez voir la chaîne écrite en arabe, Darul Ilm wal Hikma. Tout est dessus. Si c'est Facebook aussi, c'est même le même nom. Yelbi, Tahir. Vous allez voir la page et tout est dessus. Calme dans la bonne compréhension. Donc, quand c'est un acte surrogatoire, on ne fait pas de réparation. Tu as oublié Subhanarabbia al-Azim, on ne fait pas réparation. Tu as oublié Subhanakallahumma bihamdika, on ne fait pas réparation. Calme dans la bonne compréhension. Donc, nous étions sur. On a dit qu'il y a quatre types d'oubli. Le manquement, on a diminué. L'ajout, lorsqu'on a fait les deux dans une même prière, et lorsqu'on doute quatre. Nous étions sur le premier, le manquement. Quand je manque quelque chose à la prière, avant de réparer, je dois d'abord réfléchir. C'est quelque chose. C'est quel genre d'acte? C'est un acte obligatoire. Il faut revenir sur l'acte. Maintenant, si on doit réparer, on va te parler de ça. Ce que j'ai manqué là, c'est un acte surrogatoire. Non, là, je continue, je vais réparer. Ce que j'ai laissé là, c'est un acte méritoire, mustahab. Je ne répare pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wali ziyadati sajidatani ba'da salam. Le deuxième type d'oubli, j'ai ajouté maintenant. Lorsqu'on ajoute quelque chose à la prière, comment il faut réparer? Toujours avec les deux sujouds. Normalement, je suis en train de faire Maghrib. Maghrib, c'est combien de rakats? Hein? 3 rakats. Moi, ma grande soupie, j'ai fait 4 rakats. Et c'est dans la tahiya que je me rappelle que j'ai fait 4 rakats. Ce n'est pas 3 rakats. C'est Maghrib. Est-ce que ma prière est gâtée? Non. Ma prière n'est pas gâtée. N'est-ce pas? Ma prière n'est pas gâtée. Je dois réparer. Comment est-ce qu'on oublie, on répare l'oubli dans la prière? C'est avec quoi? Deux soujouds. Mais quand? Est-ce que avant le salam ou après le salam? Comme c'est un ajout, c'est après le salam. Et regardez la sagesse. Non seulement toi, tu as ajouté quelque chose. Et comment tu vas rester dans la prière encore pour faire une autre chose qui est considérée comme un ajout? Non, non, non. Il faut quitter d'abord la prière avant de faire les deux soujouds là. Mais si c'est le manquement, il y a un vide, non? Donc il faut rester dans la prière pour réparer cette réparation qui est considérée comme le remplacement. J'espère que c'est compris. Très bien. Donc je suis dans la prière de Maghrib. L'exemple que j'ai pris, moi j'ai fait 4 à 4. C'est dans la tahiya, je me rappelle que j'ai fait 4 à 4. Je continue la tahiya. La surat Ibrahimia, Allahumma inni a'udhubika. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis sorti de la prière. Mais il y a un ajout. L'ajout là, c'est un oubli, non, j'ai oublié d'ajouter. Je n'ai pas fait par exprès. On dit qui est-ce qui m'a poussé à oublier? Shaitan. Qu'est-ce que lui n'aime pas? Dieu lui a demandé de faire devant Adam et puis il n'a pas fait. Donc je vais faire les deux celui-là pour lui faire plus mal. Et c'est sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non.
Donc, une question très importante. Est-ce que quand on fait les deux sujets de réparation, les Subhanahu Rabbi al-A'la, est-ce qu'on dit ou pas? On dit. Et celui qui ne dit pas, il n'y a pas de problème. Et même la tahiyya, troisième tahiyya que nous avons dit, vous allez remarquer, il y a des imams, il y a des ustaz, et ils ne font pas ça. N'est-ce pas? C'est parce que dans leur école juridique, ils ne font pas. Voilà. Lorsqu'il fait les deux sujets, c'est fini, fait assalamu alaikum, assalamu alaikum. Non. Nous, chez nous, je dis bien chez nous. Il ne faut pas me poser la question à savoir, mais chez nous et puis chez eux là, qu'est-ce que le prophète a dit? On dit qu'il ne faut pas poser cette question. C'est la question de quelqu'un qui n'a pas étudié et qui ne connaît pas comment il faut se prendre avec les textes. Parce qu'un jour, avec tel hadith, le prophète a fait ça, nous on dit qu'à cause de ça, nous on doit faire ça. Lui va dire que non, 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 votre hadith, ça c'est vrai, mais c'est faible par rapport à l'hadith que nous on a vu et nous on a compris comme ça. Donc c'est une affaire des juristes. Moi, je ne suis pas dedans. Nous, on a fait petit madrasa. Toi-même qui n'as même pas fait madrasa du tout là, il ne faut pas mettre ta tête là-bas. Quand les éléphants se battent, les herbes à toi, mettez-vous à côté. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je pense qu'il est l'heure. On va s'arrêter ici prochainement. On va continuer. Et ce chapitre, c'est très très intéressant. Une question, je viens, je vais terminer, je vais prendre la question. Ce chapitre est très très important. Et ça peut, même tu peux être oustaz, tu peux être imam, et le problème va t'arriver, tu ne sais pas comment réparer. Pourquoi? C'est quelque chose, lorsque tu ne lis pas beaucoup, tu ne te rappelles pas, tu ne révises pas beaucoup, ça va venir, tu seras paniqué. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va prendre la question. Oui. 4 à 4. Oui. Oui. Très bien. Ouais, c'est que toi, ton affaire là, c'est une affaire de beaucoup d'argent. Parce que l'affaire qui va te faire oublier, tu vas faire 5 racades. Et puis tu veux réparer, tu as oublié même la réparation. C'est que ton affaire là, c'est une bonne affaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On allait arriver là-bas, mais comme c'est une question, on va prendre la hâte. Quand tu te rappelles, ce que tu as fait, ce bas là, tu dois faire. Même si tu te rappelles un an après, tu fais. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le combien 7 non 9. Aujourd'hui c'est le 9. Dimanche 9. L'affaire de 10 millions que tu avais aujourd'hui qui t'a fait oublier là. Peut-être son anniversaire, tu vas te rappeler. Ah, ce jour-là, déjà, je n'avais pas bien fait. Quand tu te rappelles, même si c'est un an après, tu fais les deux sujets. Et c'est bon. Et étant en ablution et faisant face aussi à la Kaaba, qu'Allah donne la bonne compréhension, il est l'heure. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين